Salut les marbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de deux minutes, un outil, 2 minutes, où j'essaye de vous donner mon avis en 2 minutes sur un outil que j'utilise et que j'ai testé. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de cette meuleuse de chez Metabo qui s'appelle la MWEV-17-125 Quick Inox RT. Un nom imprononçable comme d'habitude. Petit disclaimer, cette machine-là, c'est pas moi qui l'ai achetée, c'est les aminches de Metabo qui me l'ont envoyée. Ils me l'ont envoyée parce que je leur ai demandé, parce qu'elle m'intriguait et parce que j'avais envie de tester ce genre de machine. Qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est une meuleuse avec un câble, je sais, ça peut paraître idiot, mais c'est comme ça. Une meuleuse qui avec un diamètre de 125, enfin avec des disques en 125, et surtout avec un réglage de vitesse. Celui-là, il est brandé spécial justement pour pouvoir meuler et brosser de l'inox. Et j'avais un doute, et maintenant je suis croyant, cette meuleuse-là change complètement la façon dont je meule et dont je ponce et je polis le métal. Typiquement, je l'utilise avec des disques à lamelles, des disques abrasifs à lamelles. Là, celui-là, je l'ai bien utilisé. Quel est le but de cette machine? Cette machine, ben, c'est après la soudure, quand j'ai besoin de nettoyer une pièce, elle va venir pour enlever le surplus de métal que j'ai ajouté et pour essayer d'avoir un rendu nickel sur mon métal. Le point particulièrement intéressant, c'est bien sûr le réglage de vitesse. Mais cette machine-là est plutôt puissante, elle fait 1750 watts. Donc on a un réglage de vitesse de 1 à je sais pas combien, de 1 à 6, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, ça nous permet de régler cette vitesse, d'arriver justement à faire un ponçage qui enlève de la matière mais qui ne crame pas le métal. La deuxième chose, c'est que cette machine est diablement bien équilibrée. La prise en main est super bonne. Et au contraire de d'autres où en fait la meuleuse est super compacte et donc très très lourde sur un seul endroit, ici en fait on a une prise en main qui est vraiment très 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 bonne. Je l'ai utilisée massivement sur le projet Enseigne et j'ai vraiment vu le changement entre mes anciennes meuleuses, qui sont des meuleuses très très bien, et celle-là qui est spécifiquement faite pour meuler et poncer du métal. Bien sûr, quand on va sur un matériel spécifique, il est toujours plus adapté. Je vous mettrai le prix quelque part par là, le prix public. Clairement, il rentre dans mon arsenal de meuleuses. J'en ai 4 ou 5. Et celui-là, pour le polissage, pour le ponçage du métal, c'est ma meuleuse clairement préférée. C'est un outil qui est spécifique pour le métal. Et c'est ça qui est intéressant dans cet outil-là, c'est qu'il fait un job et il le fait très très bien. Alors, c'est bien sûr pour ceux qui ont une utilisation intensive de ce genre de machines, qui font beaucoup de soudure, qui ont besoin de poncer et qui ont besoin d'une machine qui soit fiable, qui soit équilibrée et qui fasse vraiment bien le job. J'ai pas assez de mots pour dire à quel point j'aime cette machine, et c'est pas simplement parce que les aminches de Metabo me l'ont envoyé, c'est vraiment parce que c'est une machine qui est adaptée à ma demande, et c'est pour ça que je leur avais demandé cette machine-là, pour la tester et pour voir ce que ça donne. Je suis super convaincu et je sais pas trop quoi dire d'autre sans passer pour un gros suceur intergalactique. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette meuleuse. Meuleuse géniale, super bien équilibrée, puissante, réglage de la vitesse. Que dire d'autre? Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un message et évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode sur cette petite machine qui est vraiment bien et diabolique et que je vous recommande. J'espère que cet épisode vous aura plu. À très bientôt.